Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer ce programme du jeudi 28 octobre, à commencer par le quintet qui se déroulera sur l'hippodrome mansonien, 1200 mètres ligne droite pour une affaire de spécialistes. Ils seront 16 au départ, des chevaux de 3 ans et au-dessus. Ensuite, je vous transmettrai mes informations concernant la réunion 3 sur l'hippodrome de Cabourg, une réunion, comme vous le savez, consacrée aux trotteurs. On revient sur le quintet. Pour l'étudier, il convient de se pencher sur la course de référence du 9 octobre. Près de la moitié des concurrents ont pris part à cette course référence disputée sur ce même parcours, celui rectiligne de l'hippodrome de Maison Lafitte. J'aime beaucoup le numéro 7 Marakashi, lauréat de cette course référence. Même s'il a été pénalisé de 7 livres, il doit pouvoir confirmer car il prend de la maturité et l'expérience. Ce jour-là, il devançait le numéro 15 Prince et Glace d'une petite tête, une seule tête les séparait au passage du poteau. Ces deux concurrents devraient pouvoir confirmer. Dans cette épreuve référence, numéro 6 Fongoka est terminé 3e facilement. Le numéro 8 Aung donc terminé 4e en léger retrait. Le numéro 11 Sweet Fortune 7e après avoir longtemps fait illusion. Alors que le numéro 4 Calbuco, après avoir animé l'épreuve, ne pouvait se mettre en évidence. À mon avis, il faut reprendre ses compétiteurs. Mais entre eux, j'intercalerai le numéro 1, Spectacle du Mars, un cheval qui est en plein progrès. Également, il peut se targuer d'avoir triomphé sur ce parcours. Donc, c'est un plus non négligeable. Il dépend de l'entraînement de Xavier Nakachi, l'écurie en pleine forme. Donc, attention à lui. Numéro 12, le Valentin, lui, possède également une solide expérience dans les quintés. 6 quintés courus, 4 fois à l'arrivée. Sachez également que sa dernière tentative sur ce tracé s'est soldée par une encourageante 3e place. Bref, mon résumé chiffré sera le suivant. Le 7, le 15, à savoir Marakashi devant le 15, Prince et Glace, on prend les mêmes et on recommence. Le numéro 1, Spectacle du Mars, et le numéro 12, ensuite, le Valentin. Ensuite, eh bien, je citerai le numéro 6, Wango Kai, le numéro 8, Aondon, le 11, Sweet Fortune, encore le 4, Calbuco, qu'il convient, à mon avis, de racheter. Il vaut mieux que ne l'indique sa dernière tentative, lui qui possède pas mal d'expérience dans les quintés. Il y compte déjà 6 places en 11 participations. Direction maintenant l'hippodrome de Cabourg, réunion 3, une réunion assez ouverte où les surprises ne sont pas à exclure. Première information, première course, Joël Béchet présente le 107 et le 109. Le 107, c'est le mâle, un cheval régulier confié à Fontenivard. Malgré son mauvais numéro, il peut se placer. Le 109 est une pouliche d'avenir. À noter sur vos tablettes, ici, elle a un numéro en deuxième ligne. Il faudra que ça se passe bien pour elle, mais attention, elle a du potentiel. On en reparlera sans doute dans des compétitions pour pouliche, car Joël Béchet l'estime. Donc 107-109, ce ne sont pas deux toutes premières chances, mais d'après Joël Béchet, ils peuvent prendre une allocation. Dans cette épreuve, attention au 108, Unaldo, qui aurait terminé beaucoup plus près la dernière fois si elle avait trouvé les coups des franches pour finir. Le 102, l'élève de Francane a bien débuté, deuxième, une confirmation est attendue, encore le 106, Usticache, qui vient de devancer l'élève de Joël Béchet lors de leur dernière confrontation commune. 108, 102, 106, pourquoi pas, pour contrer les deux élèves de Joël Béchet, le 107 et le 109. Dans la quatrième, j'ai pu m'entretenir avec Eric Blot, il présente le 407 Saint-Yves, un cheval tout simplement invaincu en 3 sorties publiques. Une confirmation est attendue, le cheval court volontairement à intervalles espacés. Seul bémol, il aborde pour la première fois une distance aussi longue. Il faudra donc que ça se passe bien. Quoi qu'il en soit, son entraîneur était loin d'être négatif. À mon avis, dans cette épreuve, au regard des forces en présence, l'opposition se situe au deuxième échelon. Avec le 12, Sirston, présenté par Fontenivard et déféré les 4 pieds. Le 13, Soprano GD, un cheval doué et régulier qui répète toutes ses courses. Le 16, également une belle chance. C'est un cheval qui cherche véritablement sa course. Lui qui reste sur deux places de deuxième. Pourquoi pas Safari d'Ulysse, s'il est dans de bonnes allures, il faudra surveiller les canters. Donc la quatrième, 407 Saint-Yves, l'opposition au 25 mètres avec le 12, le 13 et le 16. La cinquième, j'aime beaucoup 512, Remember My Name. Un cheval qui réalise toujours de bons chronos lorsqu'il est déféré des postérieurs. Ce sera le cas en ce jeudi sur l'hippodrome de Cabourg. Ce cheval est en retard de gain. Il a toujours bien fait corne à droite. D'ailleurs, il avait fait sensation à Argentan il y a de cela quelques plusieurs mois maintenant, lorsqu'il avait triomphé très facilement. Un cheval, à mon avis, qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Le 512, Vimamba et My Name. À mon avis, c'est une bonne chance, a fortiori, déféré des postérieurs. Et on termine par les informations de la 8e, avec dans cette 8e course, le 800. L'élève de Hubert Hardy, pardon, 808 Telkis, vous vérifierez son numéro, je pense que c'est 808 Telkis. C'est un cheval estimé qui, en dernier lieu à Vincennes, était loin d'être battu, semblait même en mesure de s'imposer lorsqu'il s'est montré fautif à l'entrée de la ligne droite, une faute due à un manque de force. Le cheval, depuis, n'a pas véritablement travaillé durement, on s'était forcé de lui donner du travail foncier. Ce n'est pas un objectif, s'il peut s'imposer, on ne doit pas s'en priver, mais attention, c'est un cheval avec lequel on a de bons espoirs cet hiver à Vincennes. Donc c'est vrai que Mathieu Debrivard a été appelé pour le piloter, mais ce n'est pas la grosse confiance, plutôt
L'objectif est de donner un bon parcours en vue de ses prochaines échéances. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 4, Tamaris Lotois. Ce ne sera peut-être pas le cheval de tout le monde. Et attention, ce pensionnaire de la famille Dreux, Charles Dreux aux commandes, est estimé. Un cheval qui a toujours montré de la qualité. Et ses lignes en province sont assez intéressantes. Donc attention à lui, numéro 4, Tamaris Lotois. Un cheval qui devra également refaire parler de lui. Pourquoi pas cet hiver sur la cendrée de Vincennes. J'aime beaucoup le 804, Tamaris Lotois. Dans cette épreuve, il faudra également compter avec les deux élèves de Marcus Lindgren, le 710 et le 713, qui, au regard de leur dernière tentative, ont également le droit de jouer les premiers rôles. Donc, dans la huitième, nous avons Telkis, le numéro 8, qui devrait bien courir en vue de ses prochaines courses. Le numéro 4, Tamaris Lotois, à mon avis, il vaut un lot comme celui-ci. On se méfiera également du 10 et du 13, les deux élèves de Marcus Lindgren. Voilà pour les informations de ce jeudi 28 octobre. Très bon jeu à tous, très bonne journée et rendez-vous demain.